Je me nomme Kwadio Kwasi Yann Stéphane. Je suis étudiant en maîtrise en communication et relations internationales. Et je suis cofondateur de Mousse, qui se veut d'être le premier réseau social d'Afrique francophone. Moi, je me nomme ATT Mounir Jean-Yves Anderson. Je suis étudiant en médecine, un intéressé de l'informatique. Voilà, je suis cofondateur de Mousse. Mousse est né dans la petite ville d'Aboisso. Tout d'abord, ce n'était pas un réseau social de partage d'émotions. C'était pour pouvoir partager l'expérience en classe. Et voilà, nous avons mis ce réseau social en place pour permettre aux élèves en classe d'examen comme nous de pouvoir échanger sur des matières. Et après cela, nous avons eu des difficultés au niveau scolaire. Comme nous étions en terminale, donc nous avons laissé. C'est après le bac que nous avons travaillé encore pour pouvoir améliorer et changer le thème de Mousse, qui est aujourd'hui un réseau social pour le partage des émotions les plus inoubliables. Lorsque nous avons mis en place cette plateforme qui permettait aux élèves qui étaient en classe d'examen, voilà, de pouvoir échanger, c'est-à-dire faire des cours de renforcement afin que chaque école dans la zone d'Aboisso puisse avoir un peu savoir à peu près à quel niveau d'enseignement les élèves étaient. Et on a eu des soucis parce que les dirigeants des établissements n'étaient pas du tout contents et ils nous ont fait savoir même. Et, mais au niveau des élèves, c'était une initiative, ils n'y croyaient pas, ils se disaient bon, c'est faux, ça n'existe pas. On leur dit oui que c'est possible. Et regardez, ils ont commencé à utiliser. Et là, quand nous avons eu l'examen, moi je suis venu à Abidjan. Et lui, étant encore là-bas et autres, on a commencé à échanger, à discuter pour voir ce qu'on ne pouvait pas essayer de changer la thématique. Vu qu'on sentait au niveau local un manque pour permettre aux gens d'échanger. C'est-à-dire, on échangeait sur des plateformes qui ne connaissaient rien de nous, qui ne sont jamais intéressés à nous, qui ne savent pas comment nos cultures fonctionnent et autres. Donc nous avons dit, bon, vu que. Il n'y a pas il y a un manque à ce niveau-là. Et puis le contexte africain est un contexte très particulier. Voilà. On ne peut pas imposer ou bien faire marcher des choses qui ont marché peut-être en Europe ou bien dans d'autres continents, au continent africain. Il y a des expériences qui se passent très bien. Il y a des choses qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas parfaitement. Et on a commencé comme ça. Et moi, en continuant les études, je réfléchissais sur la question. Et voilà, et en 2017, Dieu nous a fait la grâce de mettre sur point le réseau social. C'est-à-dire de commencer véritablement à travailler sur lui, lui apporter des modifications, c'est-à-dire le mettre à jour pour qu'il soit au niveau. Et puis prouver aussi que la jeunesse africaine et en plus ivoirienne a la capacité aussi de mettre sur place de telles plateformes-là et autres. Donc nous avons commencé, nous avons fait des recherches, nous avons essayé, tant bien que mal, de réunir les ressources qu'il fallait. Parce que je compte le dire, je tiens aussi à le souligner, que faire un réseau social, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un peu un condensé de tout ce qui est technologie aujourd'hui. Et quand je dis tout ce qui est technologie, vous voyez bien, en fait, aujourd'hui, si nous voulons regarder seulement que nos formations et autres, il n'y a pas de formation appropriée pour permettre de commencer un tel projet. Si tu n'es pas curieux, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas déterminé, tu ne le peux pas. Moi, je suis communicateur de formation. J'ai des études de communication. Et passer de la communication au développement, vous voyez que c'est un très grand changement. Et c'est pourquoi. On a mis assez, au moins un an, pour commencer à vraiment travailler sur cette plateforme-là, les codes, pouvoir intégrer les technologies et autres. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux du résultat qu'il produit. Nous sommes heureux aussi des personnes qui continuent à nous féliciter, et, voilà, qui nous encouragent à aller de l'avant. Parce que quand on dit un réseau social, tout le monde dit un réseau social, oui, mais un réseau social fait par des jeunes, oui, c'est lui, c'est moi. Nous sommes deux. Il n'y a pas quelqu'un à côté, il n'y a pas d'équipe cachée. Quelque part à Lisbonne ou bien, je ne sais pas, en Malaisie qui travaille. Non, c'est nous deux. Voilà, et nous sommes vraiment heureux d'être ici encore. Mousse, tout d'abord, il y a une petite anecdote derrière Mousse. Au début, on voulait prendre Mousse, M-O-U, comme on sait l'écrit. Voilà. Et quand nous sommes allés pour prendre l'hébergement, on s'est rendu compte que le mousse.com était déjà pris. Donc moi, j'ai dit, ah bon, Mousse est déjà pris, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, laisse-moi essayer, je vais mettre deux O, deux S-E, on va voir ce que ça me donne. Et puis c'est sorti, c'était encore libre. Donc j'ai dit, ah bon, pourquoi ne pas prendre? Donc, vu que Mousse déjà, on s'était déjà entendu sur le Mousse avec un U. Parce que ici, la Mousse nous plaît bien. Voilà, elle est douce. Voilà, elle se propage facilement, une bonne odeur. En tout cas, quand il y a la Mousse, il y a la gaieté et tout ça. Donc raison pour laquelle nous avons pris Mousse, qui va aussi avec la fluidité de la plateforme, qui va aussi avec l'ergonomie de la plateforme. Voilà. Parce que la plateforme consomme moins de données que les autres plateformes. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons pris Mousse. Okay, oui, il a raison, il a parfaitement raison sur cette anecdote parce que c'était pas facile. On a essayé plusieurs noms parce qu'on cherchait un nom.
un nom qui allait vraiment symboliser ce qu'on voulait faire. Et on a vu des noms et autres, et nous avons décidé de prendre Mousse. Et le Mousse, M-O-2-S-E, ouais, comme vous le voyez dans l'intitulé, en fait. Et puis le point online pour se différencier, parce que tout ce qu'on connaît comme site, c'est .com. Et autres. On aurait bien voulu prendre le Mousse.ci, mais sauf que nous disions qu'il n'y a pas au niveau de l'hébergement local, on n'a pas trouvé des solutions à l'hébergement local pour pouvoir soutenir une telle plateforme. Parce qu'un réseau social, ça demande beaucoup de fluidité sur la plateforme. Il faut que le niveau des bandes passantes, il faut beaucoup de choses pour permettre à ce que la plateforme fonctionne bien. Et nous avons décidé de prendre le point online parce qu'il n'est pas, il ne fait pas référence à un pays, à un État ou à un groupe d'individus. C'est un nom de domaine simple qui peut plaire à tout le monde. Et puis bon, disons-le, il est fun quand même. Actuellement, les réseaux sociaux, comme on va le dire, ils ont vraiment révolutionné voilà, notre manière de communiquer. Et vraiment, c'est un marché qui est en plein essor. Voilà, et aujourd'hui, on voit que beaucoup de plateformes naissent, c'est-à-dire beaucoup de missions, de sociétés, de structures sont créées à base des plateformes, comme les réseaux sociaux, comme on peut le dire. Et vraiment, c'est un marché qui bouge vraiment, qui évolue, et puis bon, qui voilà, qui n'est pas limité. Il n'y a pas une zone, on peut le conduire comme on veut, on peut l'envoyer où nous voulons. Et puis, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'état pour t'empêcher, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... C'est-à-dire, laisse parler toi-même ta créativité. Tu peux toi-même, voilà, réellement faire ce qui te plaît, ce que tu ressens. Donc, aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, on peut dire que vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé nos mondes. Et aussi, on souhaite que Mousse aussi soit quelque chose qui va bouleverser notre continent, mais en premier lieu, d'abord, notre pays, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et aussi notre zone sous-régionale qui est l'Afrique francophone. Il y a beaucoup de nouveautés sur Mousse, voilà, vu que c'est un réseau social. D'abord, bon, on s'est concentré d'abord sur, disons, la sécurité. Voilà, nous avons le système de Identity User qui permet à un utilisateur de Mousse d'avoir un badge, c'est-à-dire un badge de certification. Voilà. Parce que bon, les réseaux sociaux sont devenus, si je peux le dire ainsi, hein, autre chose. Voilà, on peut prendre ta photo, ton nom pour pouvoir créer des comptes. Voilà. Sur Mousse, c'est, bon, disons, quasi impossible. Disons-le, quasi impossible. Voilà. Sur Mousse, quand tu crées ton compte, tu peux te faire vérifier. Voilà, il y a un algorithme qui est là qui permet de pouvoir certifier ton compte. Ainsi, personne ne pourra prendre ta photo ou ton nom pour pouvoir faire un autre compte. Voilà. En plus de cela encore, la grande avancée sur Mousse, c'est que on peut pouvoir faire des notes vocales pour les commentaires. Voilà. Parce que, disons, il y a des plateformes où l'on veut aller, mais bon, l'homme ne sait pas, disons, s'exprimer. Voilà. Les analphabètes, on peut le dire ainsi. Voilà. Pour pouvoir faire des notes vocales. En plus, là encore, vous pouvez partager des vidéos, disons, de la musique surtout. Voilà. Pour faire écouter une musique à une autre personne que tu aimes bien, des images. Et puis, nous aussi, nous avons le système de rémunération. Voilà. Qu'on appelle le cashback. Voilà. Je ne suis pas mieux placé pour pouvoir expliquer ça, mais je pense que mon collègue pourra mieux expliquer ce système-là. Sur Mousse, il n'y a pas de pouce bleu en tant que tel. Et nous avons choisi des expressions en argot ivoirien dans notre jargon que nous avons appelé ses os et ses soyez pour symboliser lorsqu'on aime quelque chose et lorsqu'on n'aime pas un peu, on met ses os. Et chez nous, les commentaires, chez nous, on appelle ça les saphirages. Et nous avons donné ce nom-là sur la plateforme. Donc sur la plateforme Mousse, quand vous verrez une publication, vous verrez sous la publication ses os, ses soyez, affairage, pour symboliser un peu comment j'aime, je n'aime pas, et les commentaires et autres. Ensuite, lorsque vous êtes sur Mousse, les émoticônes, soucieux de Mousse de garder son identité africaine et aussi ivoirienne, plutôt, du moins. Nous avons approché la structure nochi.com par le biais de abidjan.net afin de pouvoir avoir des stickers à eux. Voilà, que nous avons vu que parce que les stickers sont vraiment beaux, il faut le souligner. Et puis aussi que ces stickers-là représentent, nous permettent en fait de transmettre nos émotions. Et voilà, et le travail, je tiens aussi à féliciter le travail de l'équipe qui conçoit ces stickers parce que ça a été vraiment bien pensé. Et Dieu nous a fait grâce, la structure a bien accepté de nous transmettre ces stickers. Donc, lorsque vous discutez au sein de la messagerie de Mousse, vous allez pouvoir utiliser les stickers de nochi.com pour pouvoir voilà, dire « je vais ton jet, faire mon gay » et autres. Voilà, vous voyez un peu, vous pouvez comprendre cela. Et en tout cas, c'est nos utilisateurs qui sont présents actuellement sur la plateforme ont été vraiment heureux
Ils disent, ah, mais oui, on ne pensait pas que c'était possible, oui. Qu'avant, sur les autres plateformes, il nous fallait en fait télécharger, c'est-à-dire déjà télécharger une application où il y avait les émoticônes et puis pouvoir en fait l'utiliser. C'est trop compliqué, ça nous perd du temps et donc on a préféré utiliser. On a dit, non, chez nous, vous n'installez rien. Tu installes seulement que Mousse et au travers de Mousse, tu utilises les stickers de Nouché.com. Aussi, il y a d'autres stickers aussi qui vont arriver aussi. Il y a aussi d'autres images. Voilà, qui vont être ajoutés en fait au réseau social encore pour le rendre encore plus parfait, plus superbe, puis pour qu'il magnifie un peu voilà, ce que nous sommes. Permettez-moi de revenir en fait sur le système cashback. Voilà. En fait, Mousse a essayé de comprendre, c'est-à-dire la mentalité, l'Afrique, le continent, les Ivoiriens et autres. Et pour se différencier, Mousse a décidé de proposer en fait ce modèle économique voilà, qui est inédit pour un réseau social. C'est-à-dire, chez Mousse, l'activité de l'utilisateur est rémunérée. Voilà. Qui dit rémunération, vous comprenez bien comment ce que ça implique. Voilà. Mousse a décidé, comme ça, de fractionner en fait ses bénéfices et de donner une partie aux utilisateurs qui font le réseau social en fonction de leur utilisation. Donc, chez Mousse, lorsque vous ouvrez un compte, vous avez une grille qui s'affiche où il y a le côté paramètres où vous voyez le nombre de points que vous cumulez. Et ce nombre de points équivaut à une certaine somme que vous gagnez. Lorsque vous postez, vous likez, voilà, vous faites des saisons, vous faites des soyers, vous faites des affairages. Tant que vous utilisez le réseau social, vous générez en fait des points. Et ces points-là, nous, nous nous sommes dit, oui, ces points, c'est bien, on va rémunérer. Mais rémunérer pour rémunérer, non. Parce qu'on a trop entendu des rémunérations dérisoires à des dizaines, des millièmes, des millièmes, des millièmes, où il faut peut-être à une seule personne 150 millions de gemmes pour espérer avoir ne serait-ce que l'équivalent de 650 francs qui est un euro. Donc, nous, pour faciliter en fait cette rémunération, nous avons décidé en fait de faire de ce cashback-là un cashback aussi pour promouvoir les personnes qui ont des boutiques en ligne. Donc, chez Mousse, lorsque vous accumulez vos points, plutôt que de récupérer cela en argent, si vous le voulez, vous pouvez le récupérer. Mais priorité est donnée à ce que vous puissiez faire de ces points-là un achat sur une boutique en ligne qui est intégrée à Mousse, qu'on appelle Choupi, où des personnes, des jeunes comme nous, ou des personnes qui veulent bien créer des boutiques, mettent leur article. Et vous savez bien que dans le volet commercial, lorsqu'on fait un article, il y a tout ce qu'on appelle les échantillons. Plutôt que de donner ces échantillons-là, ou bien de prendre ces échantillons-là pour faire voilà, des campagnes onéreuses avec peu de résultats. Nous, on propose à ces personnes qui veulent bien créer leur boutique en ligne chez Mousse de faire donner ces échantillons en échange des points que les utilisateurs gagneront et autres. Donc, vous pouvez, par exemple, chez Mousse, lorsque vous commentez et que vos points atteignent une certaine barre, voilà, vous pouvez avoir des articles tels que des smartphones, vous pouvez avoir aussi des ustensiles de cuisine. En fait, ça dépendra de ce qui sera disponible. Et on profite aussi pour cette occasion-là pour appeler massivement tous ces jeunes Ivoiriens, ces jeunes Africains qui veulent créer bien des boutiques en ligne et autres et qui s'hasardent à créer des boutiques n'importe comment, de venir chez Mousse. Il y a un cadre qui est bien là, qui a été bien conçu. Il y a une boutique en ligne clé en main. Ce n'est pas une page de vente. Je dis bien une boutique en ligne clé en main. Donc, quand vous venez, vous avez la possibilité de voir des commandes, de faire un peu tout ça et autres. Mais pour plus de détails et plus pour plus, les personnes voilà, peuvent nous contacter par Mousse ou bien en dessous, nous avons nos contacts. Et vous pouvez contacter la direction de Mousse commerciale qui vous expliquera comment ça fonctionne, comment vous pouvez faire partie de cette grande famille et autres. C'est un peu comme ça que nous avons réfléchi à ce cashback. Voilà. C'est un peu notre modèle économique parce que chez nous, on dit « fais mon gain, je fais ton gain ». L'essai dit que Mousse est déjà disponible chez Play Store. Voilà, et nous sommes directement attaqués aux personnes qui possèdent le téléphone, le système Android. Voilà, c'est notre cible privilégiée que les personnes qui ont des iPhones et autres, sauf hein, la cible privilégiée, c'est les détenteurs de smartphones Android parce que quand on voit sur le continent, beaucoup de personnes possèdent le système Android et autres. Et c'est notre cible privilégiée qui est les personnes qui possèdent le système Android. Et pour permettre à Mousse aussi voilà, d'évoluer et puis de pouvoir toucher encore des personnes, en sein de Mousse, on a ce qu'on appelle la communauté des M+. Les M+, sont les représentants de Mousse qui seront dans différentes régions, ici, en Côte d'Ivoire, qui est dans différentes communes, en tout cas, en différentes circonscriptions. Et ces représentants-là auront la tâche de gérer un certain nombre
de personnes et d'utilisateurs. Plutôt que d'avoir une gestion centralisée et autre, nous avons une gestion partagée. Nous permettons à des personnes qui ne sont pas dans notre équipe d'entrer dans le réseau social avec des codes d'accès, c'est-à-dire des niveaux de responsabilité assez limités, mais en fonction de la personne, de son abattement, de son travail et puis aussi de sa fidélité à la plateforme, il peut monter en grade. Mais nous avons une communauté de M+, qui déjà a été lancée, et qui a fait en tout cas un ravage et qui nous a apporté un certain nombre d'utilisateurs et qu'on compte étendre cette communauté de M+ là à plusieurs communes du district d'Abidjan et puis aussi voir un peu après l'extérieur. Merci d'abord à Abidjan.net aussi et à Nouchi.com de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes heureux en fait d'avoir eu cette lucarne pour pouvoir parler à nos jeunes, à nos frères, à nos amis, à nos sœurs et autres, en personne déjà qui croient au projet. On leur dit merci. Merci déjà pour leur présence et puis d'être là tout le temps, de toujours nous booster. C'est plaisant d'entendre des nouvelles, d'avoir des compliments et autres sur cette plateforme. Et nous voulons vous appeler massivement à installer l'application que vous pouvez avoir sur Play Store en tapant Mousse M2O2SE. Je répète, M2O2SE. Voilà, on n'est pas se tromper et autres. Vous pouvez aussi, pour ceux qui veulent voir le site web et autres, vous pouvez vous rendre sur Google pour le navigateur Chrome. Pour ceux qui ont le navigateur Chrome, vous tapez Mousse. Nous sommes déjà référencés là-bas. Vous verrez, Mousse va s'afficher et vous cliquez là-dessus, vous serez redirigé. Voilà, vous créez un compte, c'est simple. Ça vous prend moins de 30 secondes. Vous mettez votre pseudonyme, vous faites entrer votre email, vous validez. Et ensuite, vous créez votre compte, vous commencez à partager. À discuter avec des personnes qui sont autour de vous et autres. Et nous invitons à venir massivement, parce que c'est une très bonne initiative, c'est une belle initiative et autres. On veut que vous fassiez passer du projet, que demain, dans les mois à venir ou bien dans les semaines à venir et aussi dans les années à venir, que la communauté des M+ s'agrandisse et puis qu'elle permette aussi de résoudre ce problème de chômage-là. Parce que sachez qu'un réseau social embauche plus qu'une entreprise simple, je vous le dis. Pour un réseau social, on a besoin de tous les corps de métier. Je vous le dis, tous les corps de métier sont là. Donc, pour celui qui cherche de l'emploi, viens à Mousse, fais partie de ton équipe, grandis avec Mousse. Et plus tu grandis avec Mousse, Mousse grandit, tu grandiras. Donc, je vous invite massivement. Moi, je suis étudiant, il est étudiant, on est tous étudiants. On a des passions aussi pour les parents, pour nos amis qui nous regardent aussi à travers cette lucarne. Venez massivement. Likez, commentez sur Mousse, faites vos affaires, obtenez des points, échangez-les. Vivez, faites vivre l'Afrique au travers de Mousse.